Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Bulgome, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien, nouvelle vidéo, optimiser l'internet sur PS4, PS5. Donc alors, nous allons dans les paramètres, ensuite vous allez dans le réseau, vous cliquez dessus, là, vous allez dans configurer la connexion internet. Là, comme je suis en Wi-Fi, bon, je me mets en Wi-Fi. Là, je vais faire personnaliser. Bon, moi, comme je suis sur celui-là, je me mets là. Là, je vais paramètres de l'adresse IP, je vais mettre sur automatique. Nom d'hôte DHCP, je ne le touche pas, ne pas spécifier. Là, c'est là qu'il faut faire un manuel sur paramètres DNS. C'est là que ça peut vous faire améliorer le débit Internet. Donc là, dans DNS primaire, vous entrez dedans et vous rentrez. Vous effacez ça. Vous rentrez 8.8.8.8. Là, vous cliquez sur terminer. DNS secondaire, vous entrez par contre là. Vous effacez les zéros, entrez 8.8.4.4. Là, vous cliquez sur terminer. Après, vous cliquez sur suivant. Là, le MTU, vous ne le touchez pas, vous le laissez sur automatique. Serveur proxy, ne pas utiliser. Voilà, là, on a mis la Internet à jour. On va tester la connexion Internet. Donc je l'ai fait exprès de ne pas avoir configuré, mais moi étant en fibre, je vais gagner légèrement plus. Vu que la norme Wi-Fi ce n'est pas la plus haute, je vais gagner un peu plus, mais pas beaucoup. Mais c'est déjà ça. Là, tout à l'heure j'étais à peu près à 25, mais là j'en ai gagné 4. Donc déjà on n'est pas trop mal. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, merci de laisser un like, de la commenter, de la partager pour me soutenir, de vous abonner à ma chaîne, sans oublier la cloche pour être notifié lors de mes prochaines sorties vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.